Tradition, mais cette fois, vous ne vous suiciderez plus. Vous croyez, parce que j'ai bien bouffé, que ça va me réconcilier avec la vie? Non, j'ai une affaire à vous proposer. Une affaire? Je vois. Vous vous dites au point où il en est, il acceptera n'importe quoi. Je refuse. Combien mesurez-vous? 1m75. Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'étais plutôt bel homme. Parlez au présent, Vénard, et asseyez-vous. 1m75, c'est magnifique. Voulez-vous gagner 20 000 francs? Je ne veux ni voler ni tuer personne, à part moi. Je vous offre un bon voyage, 17 jours de traversée. Oui, je vois ça. Buenos Aires, la traite des Blanches, non, jamais. Il s'agit simplement d'aller à Saïgon faire une commission. Alors, une affaire de stupéfiants? Pas du tout. Connaissez-vous la Tonkino Limited Corporation? Non. C'est une grosse affaire. J'en suis le directeur général. Avez-vous entendu parler du marquis de la Beauce? Jamais. C'est le président de notre conseil d'administration. 1m75, comme vous. Peut-être un peu plus vieux, mais il s'habille très jeune. Exactement votre silhouette. Je vois pas le rapport. Il devait s'embarquer sur le Neptuna à Marseille. Son appartement est retenu. Et alors? Voilà son billet de wagon-lit et son ticket de wagon-restaurant. Et puis ce matin, crise d'appendicite aiguë, clinique, opération. Le marquis de la Beauce devait porter à notre directeur de Saïgon des documents extrêmement importants. Je vous propose de les porter à sa place. Oui, mais tout ça est au nom du marquis de la Beauce. Moi, je m'appelle Dupont. Aucune importance. Voici son passeport et sa carte d'identité. Mais pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Ah, si mon travail ne me retenait pas à Paris, croyez bien que je n'offrirais pas à un autre l'occasion de faire un si beau voyage. En somme, c'était pour vous un sursis de 3 semaines dans des conditions de luxe et de confort inespérés. La commission faite, vous auriez pu vous noyer dans la mer de Chine. Oh, n'en parlons plus. Une fois à Saïgon, que devrais-je faire? Très simple. Vous remettrez à notre représentant une petite serviette jaune qui se trouve dans une grande valise brune. Mais comment trouverai-je votre directeur? Je le préviendrai. Il se présentera à vous, il vous dira « C'est vous le marquis ?» Oui, monsieur. Vous lui répondrez « C'est vous le baron ?» Oui, monsieur. Je viens de la part de Lambert. Lambert? Lambert, c'est moi. Ça fait une heure qu'il chante là-dedans. Il est un peu. C'est vous le marquis, oui monsieur, c'est vous le baron, oui monsieur. Je viens de par l'envers. C'est vous le marquis, oui monsieur, c'est vous le baron, oui monsieur. Je viens de par l'envers. C'est vous le monsieur, oui le baron, c'est vous le baron, oui monsieur. Je viens de par l'envers. Non.
Monsieur. Cigarette ? Oh, merci. Oh, à quelle heure arrive-t-on ? À 9h demain matin. Et le port est loin de la gare ? Vous ne connaissez pas Marseille ? Non, je compte le visiter un peu avant de m'embarquer pour Saigon. Ah, vous portez sur le Neptune ? Oui. Ah, mais dites, il lève l'ancre vers midi. Non. Vous n'aurez pas le temps de voir grand-chose. C'est vous le marquis. Mais monsieur, c'est vous le baron. Ça vous raguait de partir. Ah, plutôt, alors c'est comme si je recommençais à vivre. Ah. Mais tel que vous me voyez, je suis un nouveau-né. Vraiment ? Mais j'ai à peine un jour. Hier, j'étais presque un homme mort. C'est amusant, hein ? C'est amusant, oui. À condition de comprendre. Quelle erreur, monsieur. Quelle erreur. Il faut jamais chercher à comprendre. La vie est un simple jeu de hasard. Le tout est d'être un beau joueur, savoir perdre et attendre sa chance. Ainsi, moi, depuis des mois, je ne tire que des bûches. Mais vous connaissez le baccarat hein ? Un peu, oui. Je tiens un cercle à Marseille, à quelques minutes du port, sur le quai de la Joliette. Sur le quai ? Oui. Oh, c'est magnifique. Les quais me réussissent très bien depuis hier. Oui. Le 7, rouge impérément. Faites vos jeux, messieurs. 3, 6, 9. Les jeux sont faits. 3, 9. Rien de battu. Tenez, je vous ai fait préparer votre carte du cercle. Ah, merci. Oui, vous n'avez qu'à signer, là. Et mes parrains ? Pour ça, je m'en charge. Rien de battu. Noir, père vous gagnez bah, pas précisément, mais maintenant ça va venir. Faites vos jeux, messieurs. 6. N'oubliez les pas de prévenir un quart d'heure avant le départ du bateau. Oui, soyez sans crainte. Et mes bagages. Je les ai fait porter à bord. Tu as beaucoup de notabilité à bord ? Belle brochette, mon vieux, belle brochette, une vedette. Oui, la voie du cirage, une altesse en balasque. Nous n'avons pas la voie du cirage, nous avons une grande femme d'affaires américaine, Mrs. Broxeller. Non, l'avant ? L'avant, j'ai accompagné de sa fille. Pas d'altesse, un grand nom, le marquis de la Beauce. Oui, et comment s'appelle la... Stella Star, tu connais ça, toi ? Non. Moi non plus. Pour le marquis, je veux la recueillir avec quelques phrases. Bien tourné. Tu as raison, il faut maintenir ta réputation d'affabilité et de courtoisie. Mais que pourrais-je lui dire ? Ben, marquis de la Beauce, tu dis. Oui. Je viens parler du grenier de la France, la cathédrale de Chartres. La cathédrale de Chartres. Oui, enfin, dis-lui quelque chose comme le Neptuna se réjouit de conduire vers une de nos plus jeunes colonies. Pouvait-il ? Essayons. Ben, c'est bien ce que je disais. Le dernier descendant d'une de nos plus vieilles et plus riches provinces. Et quelle province ? Oh. Pour la Beauce, mon vieux. Allez, la tête. Ah, tu sais pas que Chartres, c'est en pleine Beauce, non ? Ah, bah, c'est un peu tiré par les cheveux. Bon, bah alors ne dis rien, ça sera plus digne. Nous sommes dans un siècle démocratique et seule la valeur intellectuelle compte. Mais c'est sur des hommes comme toi que repose l'avenir du pays. Tu crois ? Je suis sûr. Sapristi, le voilà. Et le marquis de la Beauce ? HB, honoré de la Beauce. Alors tu m'as dit. Monsieur le marquis, vous êtes le grenier de la cathédrale. Ah, ça, je n'ai jamais dit ça. Commissaire, j'avais précisé que je voulais une cabine à bâbord, on m'en donne une à tribord. Non, c'est le contraire. Je voulais être à tribord, on m'a placé à bâbord. Non, je ne sais plus. Mais cette carrière, mademoiselle, je vais arranger ça, je suis à vous dans un instant. Le Neptuna est fier de transporter dans ses flancs. Commissaire, à quelle heure est le dîner ? 7h30. Merci, monsieur le commissaire. Dans combien de jours serons-nous à Port-Saïd ? 5 jours, mademoiselle. Merci, commissaire. Ah, merci à vous, Valence. Qui est ce garçon, mademoiselle ? Vous ne me reconnaissez pas ? Je suis Stella Star, vous avez vu la tête. Mais dans la bourse, etc. Et je vous ai fait appeler 3 fois, c'est insensé. Je ne peux absolument pas me contenter de la cabine que vous m'avez donnée. Elle est beaucoup trop petite pour nous 4. Vous êtes 4 ? Mes 3 chiens et moi. Je croyais pourtant vous avoir fait savoir que je ne voyageais qu'en appartement royal. Certainement, certainement, je reviens. Et tu n'as été retour ce soir, le grenier de la France, vous êtes de nouvelles colonies, etc., etc. Monsieur le marquis, je viens vous saluer. Monsieur de la Beauce, permettez-moi de saluer au nom du Neptuna le dernier représentant d'un des noms les plus illustres de notre pays. Faites vos jeux, messieurs. Voilà 2 jours que le 6 n'est pas sorti. Hein? Les jeux sont faits. Vous êtes obstiné. Monsieur Dupont, il faut partir maintenant. Comme... Allez, venez, encore une minute. Non, non, le second coup de sirène est donné, vous n'avez pas entendu ? Le 6. Loire, père et manque. Vous n'avez pas vu ma commissaire ? Qu'est-ce que vous avez ? Vous êtes muet ?
Oh, vous avez mal aux dents? Non, c'est l'odeur du mazout. Oh, malade! C'est parce que vous respirez mal. Tout est dans la respiration. Regardez-moi. Hmm? Tout cela 100 fois chaque matin sur la pointe des pieds et en chantant au soleil de préférence. Et tout nu, complètement nu. Oui, avec un myosotis dans le nombril. Vous dites? Non, rien, je plaisante. Excusez-moi, madame, je ne me suis pas présenté. Mal de mer. Oh, quel joli nom! Moi, Mrs. Brookseller, la banque. Mais non, mal de mer, mal de cœur. Déjà? Ben... Oh, mais qu'est-ce que ça va être quand vous allez être en pleine mer? Ah, ben c'est... Vous devriez aller vous coucher. Croyez? Oh, oui, vous étendre et appeler la médecin de bord. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la médecin des bords, c'est moi. Oh! Madame Brookseller? Yes. J'ai quelques radios pour vous. Oh, c'est vous qui vous occupez de cela? Oui, madame. Alfred Pitois, officier de radio. Oh, alors, je vais vous faire travailler, mon garçon. À vos ordres, madame. Déjà un fer? Non. Dommage. Vous semblez en pleine forme. Vous croyez? D'habitude, le mal de mer ne vous prend qu'à la sortie du port. Oui, c'est vrai, ça. Moi, j'aurais pas dû prendre ce cachet, mais c'est un passager de seconde, il me l'a donné, il m'a dit que ça lui réussissait. Moi, ça me. Ah, oh. Oh, ça passera toujours. Oh, oui. Asseyez-vous. Oh, merci, madame. Vous n'avez pas vu la commissaire? Non, madame. Oh, presque vous trouve. Qu'est-ce que j'apprends, commissaire? Il paraît que le marquis de Lebeau s'est arrivé. Pas encore, madame, mais nous avons ses bagages. Oh, parfait. Quand partons-nous? Dans quelques minutes. Alors le marquis de Lebeau va rater le bateau et nous aurons sa cabine. Commissaire, que vous a dit le marquis de Lebeau? Il n'est pas encore arrivé, mademoiselle. Très bien, il va rater le bateau et j'aurai sa cabine. Oh, permettez, madame, ça je n'admets pas. Vous pensez bien que je n'ai pas pris comme cabine pour bien vous. Madame, vous pouvez jouer pour moi. Hélas, oui. On est en retard de terre. Oui, il va rater le bateau. Oh non, il l'aura. Mais non, monte la passerelle. Et je parie 100 francs qu'il l'a. Oui, tenu. J'ai perdu, docteur. Heureusement, j'ai une parole, mademoiselle. C'était moins 5. Et pour moi, ça fait moins 100. Mais excusez-moi, j'ai oublié de payer le chauffeur. Chauffeur! Chauffeur! Non, vous permettez, mademoiselle. Excusez-moi. Je vous n'y arriverai jamais, monsieur. Si. Il la repêchera. Alors, donnez-moi 100 francs. Ouais, okay. Mais j'ai qu'une liasse, vite, alors. Vite. Comme... Bravo, mademoiselle. Mais au fait, autant qu'il ait la paire. Hein? Vous avez raison, sa femme aussi. Monsieur le marquis de la Beauce. Hein? Monsieur le marquis de la Beauce. Mais c'est moi. Mais permettez-moi de vous accompagner jusqu'à votre appartement. Oh! Vous êtes fait mal? Oh, c'est hein? Rien. Oh, monsieur, vous permettez? J'ai oublié de me présenter. Du marquis de la Beauce. Non, je n'aurais jamais cru. Pourquoi? Je n'ai pas l'air d'un marquis? Pas du tout. Vraiment? Je m'attendais à voir un vieux gentilhomme portant monocle avec des gants beurre frais, un melon et des guêtres très élégantes à distinguer. Un vieux débris, quoi. Ah non, monsieur le marquis. Et vous? Je dis moi que c'est l'air. Vous êtes américaine, alors tout s'explique. Non, non, je ne suis pas un marquis de répertoire, vous savez, mais un homme comme les autres. Pas tout à fait, croyez-moi, les autres ne jettent pas leurs chaussures par-dessus bord. C'est pas très distingué, hein. Ça a eu mal. Alors la déception n'est pas complète? Je n'ai jamais dit que j'étais déçu. Merci. Pour un descendant de vieille famille, vous êtes plutôt bien conservé. Ah oui, oh, ça là, la race est solide. Vous êtes costaud, quoi. Bref, je vous inspire confiance. Dans les bras du loup. Un loup qui serait plutôt gentil. Ne vous y fiez pas, mon enfant. Le loup vous trouve joli à croquer. Pitié, monsieur le loup, pitié. Soit, je vous déposerai sain et sauf devant votre cabine. Mais prenez garde, je vais rôder le soir sur le pont. Je vous conseille de ne pas vous y promener seul. Gare à votre galette. C'est drôle ce que vous dites. Bon, pas tellement. Si, parce que si vous êtes un marquis, moi je suis une riche héritière. Ah, mais qu'est-ce que vous faites dans les bras de ce monsieur? Mais maman. Qu'avez-vous fait de vos chaussures? Je vous expliquerai. Vous aussi, monsieur, vous êtes en chaussures. Mais qu'est-ce que cela signifie? D'abord, sortez des bras de ce monsieur. Maman, je vous présente le marquis de la Beauce. Oh, c'est vous! Mes hommages, madame. J'espère que nous aurons une mer très calme. Pourquoi espérez-vous cela? Mais parce que c'est toujours ce qu'on espère sur un bateau, n'est-ce pas? C'est ma 62e traversée et je ne me suis jamais demandé comment se fait le maire. Monsieur le marquis, vous voulez me suivre? Est-ce que le marquis est arrivé? Mais c'est moi, mademoiselle. Oh, oh, je suis mademoiselle Babesque. Enchantée. J'espère que nous aurons une mer très calme. Oh, monsieur Davos, j'ai une toute petite cabine et vous avez un appartement. Arrêtez, madame Bobescu. Merci, monsieur le marquis. Pardon, excusez-moi.
voici, monsieur le marquis, l'appartement qui vous a été réservé. Il a été occupé par le roi de Grèce. Le roi de Grèce? Pas mal du tout. Permettez-moi, monsieur le marquis, de vous accueillir au nom de l'équipage du Neptua, qui fut le grenier de la cathédrale. Je ne sais pas ce dire. Je ne sais pas, mais je vous en parle. Personne ne monte. C'est interdit. J'ai une autorisation. C'est bon. C'est bon. Faites-le monter. Bien, moi. Je vous demande pardon, il faut absolument que j'aille voir. Pardon. Monsieur? Veuillez, monsieur, monsieur le commissaire. Vous êtes le commissaire? Oui. Suivez-moi. Il est malade? Ah, c'est vous, docteur. Il a l'estomac fragile, le pauvre bébé. Oh. C'est en prévision du mal de mer. Non, mais faites voir ça. Oh, mais c'est merveilleux. Dupont, dites-vous? Oui, Robert Dupont. Aussi extraordinaire que cela puisse vous paraître, je ne vois pas de Dupont. Adieu, un petit ferme d'affaires, j'en ai deux. Quoi que vous en fassiez. Trois Dubois, quatre Martin, mais pas le moindre Dupont. Où faites-vous allez-vous? Saïgon, première escale dans 5 jours. Oh, à Port Saïd. D'ici là, j'aurai le temps de trouver un Dupont. Et puisque je vous dis qu'il n'y en a pas... Il y a d'autres, monsieur le commissaire. Mes renseignements sont exacts, il est monté à bord. Je ne veux pas vous contrarier, cherchez si ça vous amuse. Ça ne m'amuse pas, monsieur le commissaire. C'est mon métier, et j'ai pour habitude de trouver. Mes listes sont bien faites, monsieur. Chaque passager est accueilli, noté, catalogué. Il n'y a pas de fuite possible. Je ne me suis pas trompé de bateau, je suis bien sur le Neptuna. Oui, monsieur. Alors, pas d'erreur, vous avez un passager clandestin. Non. Si. Non. Si. Non. Non. Merci, monsieur, merci. Merci. Et marquis de l'avance. Bien, monsieur le marquis. Du feu. Bon Dieu. Voilà. Excusez-moi, pardon. Je suis bête. Merci. Cigarette? Non, jamais à jeun. Ça m'ôte le fer. Voilà, mademoiselle. Ce bateau est infect. Faites-moi un cocktail Stella. Pardon? Mais le cocktail Stella, celui que le barman du Ritz a inventé pour moi. Et voyons apparaître une boxe là en ce moment. Bien, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. J'espère que nous aurons une mer très calme. C'est fait. Je me suis embarquée avec 500 poteaux, il m'en reste une dizaine tout au plus. Je n'arrête pas de dédicacer. J'en ai la crampe et l'écrivain. Je serais ravie, mademoiselle. Ah, mais je vous en prie, Chama, qui choisissez? Quoi? Elle n'est pas très convenable. Le photographe avait absolument voulu que je montre mes épaules, qui sont exactement les mêmes, paraît-il, que celles de la victoire de Samothrace. Mon écharpe a glissé, vous comprenez? Je n'insiste pas. Vous la voulez vraiment? Mais... Alors prenez-la. Et faites un bon usage, comme disait mon grand-père. Mais donnons, donnons. Comment? Je vous donne ma photo comme si c'était l'appartement royal. Ah, vous aussi? Oui, et je me suis mis dans la tête que vous étiez un galant homme. Vous ne vous êtes pas trompé. Merci d'avance, monsieur le marquis. Comment? Le tronc est offert à la générosité des passagers. Mais les sommes recueillies sont versées aux œuvres sociales des gens de mer. C'est une bonne idée, ça. Madame Roxeller a glissé hier un gros billet. Oh, mais je ne serai pas moins généreuse qu'elle. Ah,
avec un peu plus de gin. Bien, madame. Ah, oh, tous les jours, alors. Oh, mais pas du tout, madame. Mademoiselle Stella Star et monsieur le marquis venaient de verser leur obol selon leurs moyens et leur bon cœur. Oh, bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Mademoiselle Peggy va bien. Très bien. Ah, monsieur Delbos, le commissaire m'a dit que votre appartement coûtait 5000 francs de plus que le mien. Vous croyez? Vous ne savez pas? Oh, non, vous savez, moi, les questions d'argent. Vraiment? Oh, je tiens à vous rembourser la différence si vous me cédez le vôtre. Vous réfléchissez et vous me donnerez votre réponse ce soir à dîner. C'est ça, 5000 francs tout de suite, naturellement. Ah, oh, je signe le chèque aussitôt? Ah, non, non, pas de chèque. Non, non, vieille famille française, tradition. Oh, vous n'exigez tout de même pas des louis d'or? Non, mais de l'argent liquide. Ok. Oh, oh, quel mûre! Redoutable, la mère Bruxellaire. Vous avez une façon de vous exprimer pour un marquis. Désolé pour l'appartement royal, il vous échappe. Vous prenez votre photo? Oui, il me déplaisait. Vous ne la donnez pas au premier marquis venu? Marquis, c'est encore à voir. Je m'y connais en noblesse. Je suis la fille naturelle d'un prince. De sang royal, naturellement. Norman, 4 martinis. C'est la tournée d'Itoubi. Oh non, pour moi, ça sera infernal. Grand Dieu. Mon cher Toubi, vous avez toujours le mal de mer. Toujours, madame. Mais le vrai mal de mer. Oh, le vrai, avec tout ce qui comporte, nausée, dégoût de soi-même, envie de suicide, complexe d'infériorité, psychasthénie caractéristique. Oh, c'est affreux. C'est le calme qui vous rend malade. Non, la tempête me réussit pas mieux. Alors pourquoi voyagez-vous? J'adore la mer, oui. J'aurais voulu être gardien de phare. Ça manquait pas de poésie, d'ailleurs. Non, mais quelle surprise. Vous arriverez pour voir ça aux enfants, voilà. Non, hein, qu'est-ce que vous voulez? Je suis un civilisé perverti et décadent. J'aime la mer, elle m'aime pas. Au fond, je suis un grand vicieux. Oh, comment faites-vous ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais vous montrer, madame. Je ne sais pas. Pardon. Voilà, vous prenez le verre comme ceci, n'est-ce pas? Oui. Entre les doigts du milieu, la paume de la main contre la paume de la main. Et puis, hop, vous faites tourner, façon à vous trouver le dos contre le dos. Oh, c'est pas grave. Hop, vous voyez? Oh, bah, je vais essayer, hein. C'est ça, vous allez essayer vous-même, vous allez passer enfantin. Comme ça, hein. Voilà, la paume contre la paume. Comme ça. Voilà, et vous tournez. Alors, je tourne. Non, 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 c'est pas tout à fait ça. Alors, recommencez, vous allez voir. Non, cette fois-ci, vous allez voir, ça va y être. J'y vais. À la une. Deux. Et à la... Oh! Barman, un autre verre, vide. Oh, par exemple. Ce vieux Robert. Je ne vous connais pas, mais... Pitois, Alfred Pitois. Bah, je ne tout de même pas t'en changer depuis l'école de radio. Pitois, la radio, Oh, farceur. Je suis le marquis de la Beauce. Non, sans blague. Monsieur le marquis, et je vous en prie. Et j'ai à vous parler de la part de madame Bruxellaire. Je vous en prie. Et s'il vous plaît. C'est curieux, quoi. Hein. J'ai entendu qu'on appelait Robert, alors je suis venu tout de suite. Si ça devait être une erreur. Dommage. Je cherche un certain Robert Dupont. Mes beaux yeux bigorneaux, ma bouche florentine, et mes pieds, mes grands pieds de déesse romaine, viendront vers toi ce soir, puisque je suis ta reine. Ravissant. Cependant que mon nègre Abel Aratustra versera dans nos verres une liqueur magique. Oh, 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 oh. Bonjour, monsieur Dupont. Oui. Bonjour, monsieur Dupont. Eh ben oui, R.D. Robert Dupont. Ah non, non. Roscott Davis. Roscott Davis, yeah. Ah ben oui, alors... excuse me, goodbye. Cependant que mon nègre Abel Aratustra versera dans nos verres une liqueur magique, pendant que ma nourrice bretonne et catholique veillera sur nous deux avec mes chiens danois. Et elle s'appelle Anne Miracle. C'est une fée comme son nom l'indique. Vous faites des prodiges? Quand j'étais petite, je soufflais sur les fleurs et elles s'ouvraient. Et maintenant? Maintenant, c'est fini. Depuis quand? Depuis qu'elle est tombée de cheval sur la tête. À nos amours, il n'y a pas trop charmant à bord. Il n'y a qu'un charmant marquis. C'est vrai que vous avez des châteaux un peu partout. Et une voiture en or doublée de peau de lézard vert. Qui vous a dit ça? J'ai entendu parler de vous dans le monde. Oh, on dit tant de choses dans le monde, vous savez. Donnez-moi votre main, je vous dirai votre caractère. Tiens, c'est drôle. Vous n'avez pas les doigts tellement crochus. Pourquoi aurais-je les doigts crochus? On m'a dit aussi dans le monde que vous les lâchiez avec un élastique. Ouais, ça ne va pas du tout avec la voiture en or, ça et le lézard vert. Mais si, on peut être très dépensier pour soi et avare quand il s'agit des autres. Barman, encore une grenadine. J'ai envie de me saouler. Si j'avais une fille, je lui interdirais de s'asseoir sur un tabouret de bar avant l'âge de 21 ans. Oh, tu viens. Monsieur le marquis, ça fait 200 francs. Ces demoiselles n'ont pas payé leur verre. 200 francs? Bon, ben, je vous mettrai ça sur mon compte. Norman. Monsieur Pitois. Ça, c'est pour moi. Bien, monsieur Pitois. Norman. Norman Dufeu, s'il vous plaît. Voilà, mademoiselle.
Oui, le fiancé de ma fille Tom Player nous attend à Saïgon. Tom Player, le roi des chats. Oui. Oui, c'est un très beau mariage. Mariage d'amour, sans doute. Oh, ça, je ne me suis jamais demandé. C'est curieux, en France, vous ne pensez qu'à ça. Votre fille n'a-t-elle pas un peu de sang français dans les frères? Alors, petit chaperon rouge, vous n'avez pas peur du loup? Non, je viens même lui tenir compagnie. En d'ailleurs, vous êtes un drôle de loup, pas mes chapeaux de sous. Oh, vous avez des défauts comme tout le monde. Vous êtes original. Ben, c'est peut-être parce que je suis né à 7 mois. Ah. Oui. Ma maman aimait beaucoup le patin à roulettes. Un jour, elle est tombée et hop, je suis arrivé comme une fleur. Je pesais 3 livres. Ma bouche était si petite que je ne pouvais pas téter. Comme c'est mignon. Et pendant 2 ans, j'étais un peu arriéré. Et puis tout d'un coup, je suis devenu très intelligent. Enfin, je suis resté original, comme vous dites. C'était pas sérieux à votre mère de faire tant de patins à roulettes. Et votre père aussi, vous êtes? Ah non, mon père était jardinier. Jardinier? Oui. Oh, non, enfin, je veux dire... jardinier d'occasion. Il aimait les fleurs. C'était son violon d'ingres, en quelque sorte. Louis XVI était serrurier, le marquis de la Beauce était jardinier. Tout le monde disait ça, pas dans notre monde. Je ne sais pas si votre père était jardinier, mais en tout cas, il vous a bien mal élevé. Allez vous apprendre qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Notre monde, le mien ou bien le vôtre. La finance. Heureusement que nous sommes là pour redorer vos blasons délavés. Trop vert. Comment? Vous ne connaissez pas les femmes de La Fontaine? Mais qu'est-ce qu'on vous a appris en Amérique, là? Le renard ne pouvant attraper les raisins dont il mourait d'envie. Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. Mon blason délavé est aussi bien trop vert. Mais vous, vous êtes un goujat. Oh, Peggy. Bonsoir, respect, monsieur le marquis. Mais qu'est-ce qu'il pense? Tu me fais le coup du mépris? J'avais tellement besoin d'un copain. Tant pis, monsieur le marquis. Il n'a qu'à chercher ses copains parmi les passagers de luxe. Bon, sois pas rancunier. Ça jaunit le blanc de l'œil et ça en les dit. D'autant plus que tu n'as aucune raison de m'en vouloir. Je suis toujours Dupont, comme au temps de l'école Violet. Mais alors pourquoi toute cette histoire? Si tu crois que ça m'amuse d'être marquis, je vais t'expliquer. C'est un petit travail que j'ai accepté. Figure-toi qu'un soir... Oh, excuse-moi, ma belle. Allô, allô. 4235 AT, ici Neptune 1, j'écoute. 4235 AT, ici Neptune 1, j'écoute. Je répète. Roxelaire, à bord Neptune 1, urgent. Le torpilleur est un oiseau à plumes. Stop. Topinard. Le torpilleur est un oiseau à plumes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, elle en soit comme ça tous les jours. Hier, c'était le léopard, s'est accroché à la suspension. Si ça t'amuse, tu peux prendre l'écouteur. Ça te rappellera ton ancien métier. Ah, oui. Cigarette. Avec plaisir, mon vieux. Sacrifie-toi, va. Ah, sacré Robert. C'est vous le marquis, monsieur. C'est vous le marquis. Allô? Allô, allô? Allô? 4235 AT. Ici Neptuna, j'écoute. Police. À commandant Neptuna. Oui, monsieur. Stop. Prière. Arrêtez individu. Dangereux. Porteur. Nombreuses valises. Marquées
HB. HB. Contenant 10 millions. Volée Banque Intercontinentale. Stop. Remettre police. Escale Port Saïd. Port Saïd. Port Saïd. Alors, ça s'est bien passé? Oui, très bien, j'ai... Enfin, non, ça va. Je vous avais trouvé. Allez-y doucement, ce garçon a une sensibilité de jeune fille. Parlant. Oui. Oh, j'aime pas ça. Oh non. Oh, c'est pénible. C'est très pénible. Vous êtes très mal, monsieur le commissaire. Non, mais suivez-moi. Qui est-ce? Voilà. Excusez-moi, monsieur le marquis, je vais être obligé de procéder à une perquisition de votre appartement. Il y a, paraît-il, un passager clandestin à bord. Je vous en prie, monsieur le commissaire, tout à votre disposition. Allez. Il s'agit d'un ami, Robert Dupont. Robert Dupont? Oui. Je ne connais pas Dupont, pas du tout. Je m'en doute. Je ne vous féliciterai pas de l'avoir dans vos relations. Un voyageur clandestin n'est pas forcément un bandit ou un peu de justice. C'est peut-être simplement un pauvre diable qui n'a pas de quoi payer son voyage. Oui, ça doit être ça. Voulez-vous que je vous aide? Non, mais ne vous dérangez pas. Vous devez peut-être cacher sous la couverture. Vous devez avoir l'habitude, à chaque voyage, vous devez avoir un passager clandestin. L'année dernière, nous en avons arrêté un qui transportait une cassette pleine de bijoux volés pour le compte d'un cambrioleur de grande envergure. Il est peut-être petit, mais pas à ce point-là. Qui? Ben, Dupont. Cet individu a eu beau gérer ses grands yeux qu'il ignorait ce qu'il transportait, il n'a jamais rien pu prouver. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, il a dû écoper de 10 ou 15 ans. Pareil. Il disait peut-être vrai. Je ne crois pas beaucoup pour ces leurres, malgré eux. Vous avez tort, commissaire. Vous n'avez rien trouvé. Non, monsieur le commissaire. Enfin, pardon, monsieur le marquis. Alors. Croyez-vous au destin, monsieur de la Brousse? Curieuse question, mais drôle d'heure pour venir me la poser. Voyez-vous, Honoré, vous permettez que je vous appelle Honoré? J'en prie. Il y a des jours prédestinés où la Providence s'occupe de vous d'une façon toute particulière. Et ce soir, c'est votre jour. Oh, le nôtre, mon cher marquis. Le nôtre? Oui, j'étais un peu nerveux, je n'arrivais pas à m'endormir. Je comprends la somnifère. Mais ce n'est pas d'accalmant dont j'ai besoin, mais d'une communion. Avez-vous vu les étoiles ce soir? Ah non, mais elles sont encore là demain. Oh, erreur, beaucoup seront éteintes. J'étais sur le pont, l'âme chagrine, quand tout à coup une étoile filante, une étoile filante, barre le ciel de sa traînée fulgurante. C'est joli, puis c'est neuf. Naturellement, je fais un vœu. Ah ben, bien sûr, un vœu, il faut bien que je vous l'avoue.
auquel vous étiez mêlé. Voyez-moi ça. Alors, une chose extraordinaire. Il tombe du ciel à mes pieds un comment appelez-vous ça là? Un aérolix. C'est ça. Quand je l'ai ramassé, j'étais tellement émue, éblouie, bouleversée. Honorée, croyez-vous à la correspondance des âmes? Aux échanges secrets de nos pensées? Oh là là, je vois. Alors, nous voilà. C'est ça votre aérolite? Oui, marquez vos initiales, HP. Mais je n'en veux pas, moi jetez-moi ça à la mer. D'abord, c'était sa destination. Sa destination? Mais et puis de quoi vous mêlez-vous là, hein? J'étais en train de mettre de l'or dans mes bagages, hein, de me débarrasser de tout ce qui m'encombre, et vous me le rapportez en me parlant de correspondance des âmes et du destin. Mais comment ça m'énerve le destin? Il se fout de moi le destin. Je n'aime pas ça. Parce qu'il est drôle. Je parle sérieusement, chère madame. Pourquoi étiez-vous sur le pont? À cette heure-ci, vous devez être couché. Ah ça, mais vous êtes réellement en colère. Et moi qui croyais vous faire plaisir en venant, cette heure-ci n'était pas un appel. Non. Oh, mais vous ne comprenez rien, Honoré, vous êtes couché. Je suis un peu nerveuse. Moi aussi, je suis nerveuse et frémissante. Cette nuit est notre nuit. Vous ne le sentez pas? Chère madame... Rappelez-moi Théodora, je vous le permets. Ben, chère Théodora, je tombe de sommeil. Je vous déplais tant que ça. Mais je vous trouve charmante, capiteuse. Oh, vous ne vibrez pas comme moi quand cette soirée est si enivrante. Oh, si. Vous n'avez pas de sang dans les veines. Oh, si. Vous êtes raplapla. Oh, oui, voilà, raplapla. Je suis bien certaine que... Vous allez dire des bêtises, Théodora. Comme ça serait si facile d'en faire. Brisons-la, chère madame. Vous avez raison. Vous êtes matinal aujourd'hui. Bonjour, monsieur. D'ailleurs, vous avez raison, c'est le meilleur moment de la journée. Oui, certainement. C'est l'heure des amateurs. Oui. Les passagers dorment encore. On a l'impression d'avoir le bateau pour soi tout seul. Oui. Ou, pardon, une pomme? Ah non, merci. Si, tenez. Non. Voilà, mais... c'est sans façon. Est-ce que vous levez tous les jours aussitôt? Ah oui. Et ici, c'est mon coin préféré. Ah. Vous allez jusqu'à Saïd? Oui, vous aussi? Non, moi, je descends la prochaine. C'est pour Saïd? Oui. Et j'espère que je n'y descendrai pas seul. Oh, attention! Dis donc. Il me reste encore 3 jours pour démasquer un certain Dupont. Sur les 847 passagers, j'en ai déjà identifié 346 et demi. Demi? Oui, un cul-de-jatte. D'ailleurs, la ligne de l'Indochine est ma ligne de chance. Je me souviens d'avoir contribué à démasquer un type qui partait avec un magot. Oh, mais non, décidément. Tenez, je vais vous raconter ça. Quelle imprudence! Il s'est fait cueillir. À Port Saïd, justement, avec le magot intact. L'imbécile n'avait pas osé y toucher. Il vivait comme un miteux à côté de cette fortune pour égarer les soupçons. Mais c'était pas si bête. Mais c'était idiot, au contraire, il aurait mieux fait de profiter de cet argent. Perdu pour perdu, pas vrai? Évidemment, perdu pour perdu, autant en profiter. Ah, Dieu sait ce que l'avenir nous réserve. Ah, Dieu sait. Mais c'est pas bon? Quoi donc? La pomme. Ah, si, non. Ah, bon. Oui. Vous avez bien fait parvenir par câble. Dès notre arrivée, le montant exact des versements effectués depuis le 20 courant. Veuillez agréer, monsieur, etc. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi, Peggy, vous ne portez plus la bague que vous a donnée votre fiancé. Pourquoi? Vous l'avez perdue? Non, je n'aime pas. Quoi, la bague? Le fiancé. Oh, qu'elle n'a pas d'importance. Mais promettez-moi que vous la mettrez au débarquement. Hein? Il sera là. Et vous n'allez pas lui infliger cet affront. N'est-ce pas, Peggy? N'est-ce pas, Peggy? Oh, répondez-moi. Oui, maman. Oh. Oh, vous avez changé, ma fille. Et j'ai bien peur que ce petit marquis soit pour quelque chose. Dites-vous bien, Peggy, que dans notre famille, on n'a pas de chagrin d'amour. Votre père, il ne me plaisait pas tellement. Oh, non. Il était petit, rouge, et il fumait perpétuellement le cigare, donc j'ai horreur. Cela ne nous a pas empêché de vivre très agréablement, chacun de notre côté. C'est cela, chacun de notre côté. Voilà ce qui m'attend avec mon ridicule fiancé. Il ne rêve que cricket, match de boxe, il ne rit jamais, il ronfle. Comment le savez-vous? Il me l'a dit. Oui, c'est tout à son honneur. C'est la preuve qu'il est très honnête. Et dites-vous bien, chérie, que tous les hommes, ils rompent. Je ne crois pas.
Allons, allons, venez faire une promenade sur le pont. Non, je reste ici. Qu'y a-t-il? Vous êtes souffrante? Non, mais il y a des gens que je préfère pas rencontrer. Allons, bon, mais ma chérie, ce monsieur de la Beauce n'a aucune importance. Aucune? Oui, je lui réserve une leçon dont il se souviendra. Ah, monsieur de la Bourse, monsieur de la Bourse, voilà les 5 000 francs que je vous ai promis pour l'appartement. Et je compte emménager aujourd'hui même. Oh, oh, tiens, voilà pour t'acheter des sucres d'or. J'en ai plein, mon petit. Ah, hein. Pour t'acheter des sucres d'or, je me fais ça. Choisissez, mais qu'est-ce que... Est-ce bien vous qui avez donné à mon fils ce billet de 5 000 francs? Oui, une bagatelle. Je m'en visais l'héritier du chocolat parfumé madé, monsieur, il n'a pas besoin d'argent. Tiens, voilà, là. Mais toi, ce matin, quand tu ne sais pas, oh, c'est vrai, vous ne parlez pas anglais. Good morning, madame. Good morning. Oh. Salut, vieux. Bonjour, capitaine. Lieutenant. Monsieur le marquis. Pas de télégramme pour moi, hein? Alors, il y en a pour madame Roxelaire. Pige le dernier, le dromadaire à la coqueluche. Non, si tu recevais un message important, tiens-moi au courant. Qu'appelles-tu important? Hein? Ben, je sais pas, enfin... T'as fait une tête. Ça ne va pas? Si, ça va. Tu as besoin d'argent. Oh, quelle erreur. Tiens, si tu veux, 1000 francs, 10 000 francs, 100 000 francs, te gêne pas. Mon Dieu, un petit million, ça revient à mon affaire. Je te la porte. Le temps d'aller le chercher, je reviens. Hein? Encore un jus de pain, monsieur Castrito? Oh, non. À quoi pensez-vous, monsieur Castrito? Au robinet de la salle de bain que j'ai laissé ouvert en partant. Oh, ne vous inquiétez pas, quelqu'un le fermera quand le locataire du dessous y recevra l'eau sur la tête. Il est en vacances. Tout le monde est en vacances. J'habite au 5e, mais il n'y a que le vieux célibataire du sous-sol qui reste l'été. Ne vous faites pas de soucis. Tenez, moi, je perds tout, mais je m'inquiète pas, je retrouve toujours. J'avais perdu un diamant de 12 carats sur une plage en Floride. Je l'ai retrouvé 2 mois après en Californie. J'avais perdu mon mari dans un naufrage. Il est revenu 3 mois après. Il avait été recueilli par les Zoulous. Perdu dans les bois et là mon déroute. Mon cœur n'entend pas les pas sur la route. Qu'est-ce que ça veut dire? Chère madame, la poésie ne s'explique pas, elle se sent. Avez-vous lu l'étude de Paracelse sur le complot de la lune? Oh, vous êtes poésienne! Oui, de naissance. À 4 ans, je parlais en vers. À 10 ans, j'ai obtenu le prix du célèbre Caresse. Et à 20 ans... À 20 ans, j'ai publié mon premier recueil qui a enthousiasmé les milieux littéraires. Et à 40? Comment? Je ne les ai pas encore, monsieur. Vous prenez votre bain de soleil? Toujours après ma culture physique. La vie d'artiste n'est qu'un travail constant. Oui. Mais évidencé, naturellement. Ah non, vous savez, moi, je ne quitte pas mon château en Beauce. Oui, ça coûte moins cher. Monsieur le marquis a loué son transatlantique. Non, c'est combien? 100 francs, monsieur. Retenez-moi tous les 3 mètres sur chaque pont. Bien, monsieur. Et voilà 10 000 francs d'avance. Monsieur le marquis paiera au débarquement. C'est bien ma veine. Mais vous avez dû l'oublier dans votre cabine. Mais non, j'ai la terre encore, il y a je suis sûre que c'est égaré ici. Vous avez perdu quelque chose? Yes, mon minotière. Comment voulez-vous l'entrouver, maman, n'y pas bien? Vous permettez que je vous aide? Oh, mais je vous en prie, aidez-moi, monsieur de la Bourse. Mais Peggy, faites quelque chose, petite sœur, vous restez là, voyons. Oh, je suis ici. Oh, mais vous brûlez un billet de 1000 francs. Tenez, la voilà. Ah, ouais. Merci, monsieur de la Bourse. Laissez-moi vous donner un conseil. À ce train-là, dans 3 mois, vous serez ruiné. Oh, dans 3 mois, c'est beaucoup trop long. J'y serais sûrement arrivé avant. Mais pourquoi faites-vous tout cela? Chagrin? Peine de cœur? Fantaisie. Non, folie. Pourquoi me confiez-vous pas votre fortune? La banque Broxelaire a une réputation mondiale. Je non, merci, je ne danse plus. Je vous danse. Monsieur Broxelaire sera sûrement ravi. Alors, ma fille ne danse pas, mais moi, j'ai envie. Comment? Si vous m'invitez, je ne profiterai pas. Vous avez entrepris de me séduire, cher. La tâche est au-dessus de mes moyens. Je suis curieux de voir comment vous allez vous y prendre. Ah, évidemment, si oui. Je ne suis pas du tout votre type. Si vous aimez le genre ingénieux un peu gnangnan, j'ai aucune chance. Mais je crois que vous avez compris. Je crois que vous subissez déjà mon influence, comme tous les hommes d'ailleurs. Qui est un fruit d'un pouvoir, je ne sais quoi. Ce qu'on appelle le charme. Vous êtes une grande aventurière. Mais ne me déplaît pas. Une vente. Oui, oh, j'ai quelques suicides sur la conscience. Déménage les unis. Les fiançailles rompues. Ça ne vous empêche pas de dormir, ça, non? Ah, je ne dors jamais. Jamais, vraiment. Ah. Je rêve. Ah. Je rêve beaucoup. Mmh. J'adore rêver. Et je rêve ce que je veux. Mmh. Ainsi, la nuit dernière, j'ai rêvé que vous... Ah non, je n'aime mieux pas vous dire. Mais ne le dites pas.
Avez-vous lu l'étude de Paracelse sur le complot de la Lune? Croyez-vous à la réincarnation? Aimez-vous les confitures de pamplemousse? Ayez pitié d'un pauvre garçon né à 7 mois et dont la bouche était trop petite pour téter. Idiot. Vous n'êtes plus fâché? Non, monsieur, je suis fâché. On ne pardonne pas comme ça dans mon milieu. On a de la dignité dans la finance. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous pardonniez? Tout d'abord, cesser de faire le grand dadais. Je comprends pas. Cette star à la gomme. La Stella? Non, Stella, on n'a pas idée de s'appeler comme ça. Vous la trouvez bien faite? Comme c'est vilain, la jalousie, Peggy. Je suis pas jalouse. Si vous intéressez à quelqu'un qui en vaille la peine, je serai très satisfait. Je vous féliciterai, même. Et qui en vaut la peine sur ce bateau? Mademoiselle Babescu? Cette folle, vous oublierez. Mais alors qui? Hein? Mais je vous préviens par pure charité. Elle est dangereuse. Si vous continuez à la fréquenter, elle vous en fera et cher. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ruine les hommes. Elle ruine les... Elle leur prépare tout leur argent pour s'acheter des fourrures, des bijoux, et une fois qu'ils sont à sec, eh bien, elle change de partenaire. Mais c'est très intéressant, vous ça. Vous trouvez? Mais Peggy, vous ne savez pas le service que vous me rendez, là. Quoi? Vous allez l'épouser? Oh, mais excusez-moi, à tout à l'heure. Merci, petit chaperon rouge. Pardon, vous n'avez pas vu Stella? Elle s'est sentie souffrante, elle est rentrée chez elle, monsieur le marquis. Entrez. On m'a dit que vous étiez malade. Oui, j'ai du vague à l'âme et le cœur dans un tuyau. Vous connaissez ça? Non, ça doit être une sensation curieuse. Très pénible. On a l'impression que le cœur est serré, comprimé et qu'il va éclater. Mais expliquez ça au docteur, c'est un cas très intéressant. Le docteur? Oui, peut-être. Si vous ne me guérissez pas vous-même, je l'appellerai. Comment voulez-vous que je vous guérisse? Mais en me disant les mots qui vous brûlent les lèvres depuis le départ et que vous n'osez pas me dire. Les mots qui me brûlent? Stella, je vous aime. Mais bien sûr, mais prouvez-le. Mais tout ce que je possède, Stella, tout, ma fortune, mes terres, mes chiens, mes fusils de chasse, mes cailloux de famille, tout est à vous, je le dépose à vos pieds. Commençons d'abord par l'argent liquide, immédiat. Oh, je n'ai apporté qu'une bagatelle, une dizaine de millions. Voilà, je vous l'offre. Et ça ne part plus. Voilà. Oh, ruinez-moi, Stella. Ruinez-moi, je vous en serai éternellement reconnaissant. Grand fou, mais je me moque de ton argent. C'est toi que j'aime. Parce que tu ne ressembles à aucun autre. Reprends tout ça. C'est amusant de ruiner ceux qui tiennent leur fortune. Et toi, mon chéri, au contraire. Je veux t'empêcher de gaspiller. Stella, oui, c'est toi. J'ai l'argent de tous les autres à ma disposition. Et si tu veux, nous partageons. Revenez le docteur, c'est la star besoin de lui. Qu'est-ce le cœur dans un tuyau. Honoré, allez, je cherche partout, voyons. Vous êtes mon petit. J'ai promis à cette jeune fille de lui faire remplir sa corbeille. Vous l'avez bien fait. Et de quoi s'agit-il? Une quête. Oh, j'adore les quêtes. Je crois que vous venez prendre ma La
des dents. Ouais, super, ouais. Je vais mourir, je le sens. Non, 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 on va faire venir le docteur. Non, 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 ça coûte trop cher, je ne peux pas le payer. Vous voyez tout ce que j'ai récolté pour vous. Oh, tout cet argent. Oh, trop tard, hélas, trop tard. Non, mais non, mon brave, mais non, on va vous tirer de là. Oh, mon bon monsieur, je n'en ai plus pour bien longtemps. Ça passera, ça passera. Oh, mais, c'est moi qui vais passer, oui. Ah, misère. Ah oui, la vie est triste. Hein. Pas pour tout le monde. Vous trouverez là-haut la paix, plus de soucis. Les derniers seront les premiers. Non, 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 je voulais mourir centenaire. Il y a une prime. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Distribuez-le aux autres, nous en avons besoin aussi. Tenez, vous ajouterez ça. Hein. Voilà. Ben moi alors. Je vais m'occuper de vous. Vous êtes bon, monsieur. Voilà. Hé, mon brave. Hé. Allez chercher le docteur. Docteur. Oh, voyons, les jolies femmes ne devraient jamais avoir de crise de nerfs. Ça les vieillit 10 ans. C'est vrai? C'est vrai. Vous voyez, ça va déjà mieux. Tâtez-moi le pouls, cher docteur. Oui. Je me sens encore si faible. Et non, le pouls est régulier. Rien d'anormal, non. Mais qui vous a fait ça? C'est le marquis, cet horrible individu. Oh, mais qu'avez-vous, cher docteur? Oh, je comprends très bien. Oh, cette atmosphère grisante, ces parfums capiteux, vous-même, qu'est-ce qui est troublant? Oh, je crois que je vais... Oh, mais reposez-vous un peu, cher docteur. Oh, tentez-moi le coup. Lancez ce bras là, pardon. Monsieur Dupont. Bonjour, monsieur Dupont. Mais je ne suis pas monsieur Dupont. Oh, excusez-moi, monsieur, j'ai été le jouet d'une ressemblance frappante. Je ne suis pas un jouet, monsieur. Je suis monsieur Gorgepot. Et là, enfin, comment il a? Gorgepot, 347. Et demi. Ça fait prendre des verres à Portaïde, mais en attendant, jouez-donc avec celui-là. Ah oui, c'est moins drôle. Oui, il a un sale et ce vieil immigrant comme un prince. Ce vieil n'arrête pas de manger. Il reprend des fourches à vue d'œil. Un vrai conte de fées, je vous attire. Ah, quel titre, Marc, un véritable original. Oh, pour moi, il a le clan fêlé. C'est vous, monsieur Pitois. Quel est votre avis sur le marquis de la Beauce? Le marquis de la Beauce? Oui. Je vous fais voir le truc du verre. Vous prenez le verre comme ceci, n'est-ce pas? La paume de la main contre la paume de la main. Vous mangez trop vite, vous allez vous étouffer. J'ai tellement de repas à rattraper. Et surtout, ne vous gênez pas pour réclamer. Hein? Vous avez bien tout ce qu'il vous faut, là. Et puis je voudrais du champagne. Mais oui. Et puis des liqueurs. Mais oui, mais oui. Et puis des cigares. Vous en aurez. Non, et des gros. Tout ce que vous voudrez. Vous vous sentez mieux. Ah, tout si, tout sale. J'ai des étourdissements. Ah. Et puis un poids sur l'estomac. Quand j'ai mangé. Mais non, vous avez une superbe. Oh, ce n'est pas tout, la santé. Il faut de l'argent pour vivre. Mais ne vous inquiétez pas, j'y ai pensé. Et en voilà. Oh, hein? Tout cet argent. Que Dieu vous bénisse. Je vous promets de ne pas le dépenser. Mais au contraire, vous êtes assez privé, il faut vous rattraper. Oh, hein? Non, je suis un vieillard. Vous avez encore 30 années devant vous. Je ne dis pas non, mais s'il m'arrivait un accident... Je veux que cet argent vous revienne. Mais je ne veux pas. Mais si. Et je vous lègue ma houppelande. Ce vieux manteau, là, ça veut bien. Je ne le dis qu'à vous, mais dans la doublure, j'ai caché ma fortune. Mais oui. $15,000. Hein? Ils seront à vous si je meurs. Mais ne parlez pas de mourir, la vie est belle, voyons. Oh non. Mais si vous aurez une villa sur la côte d'Azur, une belle bibliothèque. Mais je ne sais pas lire. Alors, vous ferez de bon goleton avec des amis. J'ai pas d'amis. Mais avec de l'argent, vous vous en ferez, ça je vous le garantis. Oh non, mais je n'ai que vous qui êtes si bon. Si bon. Vous ferez mourir de joie. Pas de blague et surtout pas d'imprudence. Vous n'avez pas froid. Si. Un petit frisson. Voulez-vous une goutte d'eau chaude? Une couverture électrique? Un grog? Hein? Un cachet d'aspirine? Oh non, non. Je veux manger. Quelle heureuse surprise! Bonjour, monsieur Dupont. Alors, vous faites erreur. Duc Rodrigue del Montes. Oh, pardon, monsieur, excusez-moi, je suis navré. 5 par 12 et demi. Pardon, monsieur. Dupont, dites-vous? Oui, Dupont. Mais il me semble que vous en voulez un. Non, pas possible, monsieur, je vous en supplie, montrez-le-moi. Je vais vous le présenter. Oh, enfin, je le tiens. Permettez-moi de vous présenter, monsieur... Castretto, Hippolyte Castretto. C'est ça, Castretto. Monsieur Dupont, bonjour. Georges Garofalos. Ah, alors c'est vous, monsieur Dupont. Oh, je ne comprends pas. Comment je ne comprends pas? Alors, aucun de ces messieurs n'est duc Dupont? Ah, je m'ai cru, excusez-moi. Je vais vous au cartes, monsieur Castretto. Que diriez-vous d'une petite partie de poker à 4? Ah, non, je ne joue qu'au billard. Je suis d'ailleurs champion de billard. Oui. Excusez-moi, au revoir, monsieur.
Merci, mon cher marquis, pour vos orchidées, elles sont splendides. Monsieur de la Beauce a épuisé la provision de fleurs que nous avions faite à Marseille. Oh, j'ai fait d'ailleurs un ravissant poème sur les orchidées, vous devez l'entendre. Avec plaisir, mais orchidées. Demain. Monsieur, mais quels sont ces trois lascars là-bas? Ah, ils ont voulu vous avoir, vous avez bien fait de refuser. Ce sont des joueurs professionnels. Ils sont de trois de mèche pour tondre le quatrième. On s'y trouve un type assez idiot pour faire le quatrième. C'est ouvert de 10 000. Plus 10 000. Oh. Plus 100 000. Passe. Oh, oh. Vous jouez gros, hein? Tenu. Plus 50 000. Plus 200 000. Tenu. Passe. Ah, monsieur le marquis, nous ne sommes que deux. Une carte. Et vous? Quatre. Barman, du champagne. 100 000. Tapis. 300 000. 100 000. Plus 300 000. Carré d'as. Ah, je ne pouvais pas être battu. Non, pardon, je vois deux as de carreau, mais pas d'as de cœur. Mais ça n'a pas d'importance, voyons. Comment ça n'a pas d'importance? Mais il y a un jeu truqué. Que voulez-vous insinuer? De quoi vous mêlez-vous? Vous êtes assommant, à la fin. Non, mais vous avez gagné, monsieur. Mais regardez au moins vos cartes. Qu'est-ce que vous faites encore ici, vous? Je cherchais Dupont. Et en partant, je regardais jouer. D'une manière très particulière. Vous permettez que je regarde le jeu de monsieur le marquis? Ah, comment donc? Quinte floche. Vous avez gagné, monsieur le marquis de la Beauce. C'est vrai? Je suis désolé. Vous avez une curieuse façon de jouer, vous savez. Mais ce n'est pas moi qui ai donné les cartes. C'est une chance que je me sois trouvé là. Mais qui vous a demandé d'intervenir? De quoi vous mêlez-vous? C'est vrai, ça, on joue tranquillement entre hommes du monde. Cherchez votre Dupont ailleurs au lieu de nous regarder. Voilà. Voilà votre as de cœur. Oh non, c'est... 10 millions, j'ai dit? Oui, dans une valise. Là, est-ce que je pouvais imaginer que ce Lambert n'était pas banquier, mais escroc? Oh vieux, hein? En tout cas, t'as bien fait de tout me dire. Tu vois d'ici ma situation. Voleur, malgré moi. Si j'avoue, le commandant me mettra au fer, et si je garde l'argent, je suis arrêté à l'escale. L'escale, c'est Port Saïd. Dans deux jours. Il faut absolument que tu me tires de là. En somme, tu veux dépenser cet argent? Ah oui, le plus vite possible. Tu ne peux pas imaginer comme c'est difficile. Ça te fait rire? Oh, j'ai une idée. Vous avez demandé à me parler, monsieur Labeauce. Oui. Je vous écoute. Le commandant, êtes-vous accessible à la beauté? Oui, la beauté en soi, sous toutes ses formes, enfin la beauté intrinsèque. Moi, quand j'étais petit, le lever du soleil sur la montagne me faisait sangloter. Et la tête de Minerve au Louvre me faisait tourner de l'œil. Ah, dans le château de mes aïeux, tout est beau, tout est pur de style. Les domestiques eux-mêmes ont le type grec. Connaissez-vous la Grèce, commandant? Naturellement. Ah, et qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, il y a beaucoup de colonnes. Oui, évidemment, l'Acropole, le Parthénon, le Palais des Doges. C'est à Venise. Comment? Le palais de Doge, c'est à Venise. Oui, ça ne fait rien. Eh bien, moi, je voudrais, comme Musset, voir Athènes et mourir. Naples. Comment? Voir Naples et mourir. Oui, si vous voulez, commandant, faites escale à Athènes. Il ne peut pas en être question, monsieur Blabos. C'est affreux, voyons, je vous suis sympathique, vous m'aimez bien. Alors faites-moi une grâce, une seule. Arrêtez-vous à Athènes. Ne serait-ce qu'une heure, une demi-heure, et cinq minutes. Oui, c'est ça, tenez, cinq petites minutes, pas plus. Vous ne savez pas ce que je donnerais pour ça. Ma fortune. Ah oui, toute ma fortune pour ces cinq petites minutes d'escale. C'est tout à fait impossible. Je n'ai pas le droit de changer quoi que ce soit à l'itinéraire prévu. Mais enfin, commandant, comprenez-moi bien, voyons. Cette idée m'est venue en regardant la carte. Je me suis dit, Athènes n'est pas loin, il ne me refusera pas ça. Un tout petit détour, là. Une toute petite escale. Impossible. Combien vaut le Neptune? Pourquoi? Je l'achète. Et alors? C'est raté. Ah, t'en fais pas bien avec moi, j'ai une autre idée. Hein?
Et Robert, tu es méconnaissable. Tu as l'argent? Oui, voilà. Allez, vas-y, t'as. Monsieur Schmock. Non. Excusez-moi. Madame Schmock. Non. Pardon. Monsieur Schmock? Non. Excusez-moi. Monsieur Schmock. Pourquoi pas? Ah. Et l'anglais, c'est même sur les portes des cabines. C'est un véritable original. Dites-moi, prenez cette corbeille, ramassez votre chou. Je vous arrêterai au commandant. Bien, monsieur le commissaire. Pardon. Pardon, non, laissez-moi passer. Pardon, pardon, monsieur. Non, monsieur, vous êtes prié de jeter dans la corbeille les billets que vous avez trouvés. Merci, monsieur le marquis. Je vais en chercher d'autres. Qu'est-ce que c'est? C'est une quête. J'ai toujours aimé glisser le long des rampes. Rien de plus naturel, en effet. Aimable gaminerie. Jeunesse de caractère. Je voudrais vous entretenir en particulier, monsieur de la Brousse. Je vous écoute. Pas ici. Chez vous, si vous le voulez bien. Je vous en prie. Vous n'avez jamais eu d'accident? Non. Moi, oui. Vous n'avez jamais eu de maladie grave? Non. Moi, si, la typhoïde. Pas de trépanation? Non. Moi, oui, j'ai été trépané 3 fois. Pas de fièvre coloniale? Non. Oui, oui, au Congo. Et vous êtes toujours vivant? Oui, oui. Entrez! Entrez, puis toi, entrez! Monsieur Davos, pourquoi distribuez-vous votre fortune? N'exagérons rien. Combien avez-vous trouvé, Pitois? Environ 500 000 francs, monsieur le commissaire. Bagatelle, futilité. Enfin, où voulez-vous en venir? À zéro. Je veux repartir à zéro. C'est bien mon droit. Je suis trop riche. Ça me fatigue. Mais vous avez une autre raison. Aucune. Geste gratuit, si j'ose dire, n'est-ce pas, lieutenant? Je croyais qu'on avait le droit de dépenser son argent comme on voulait. Commandant, je demande pardon. Le service m'appelle. À condition de ne pas troubler l'ordre public. Or, votre générosité jette la perturbation sur mon bateau. Je suis désolé. Je vous demande, monsieur Labosse, de reprendre cet argent. Mais... et de le conserver pour un meilleur usage. Venez, monsieur. Qu'en pensez-vous? C'est le dernier jeton d'une illustre famille. Il faudrait étudier sa généalogie. Pour le mariage consanguin. Et croyez-vous qu'il devienne dangereux? Ça, je peux rien dire. Il va falloir que je l'étudie de très près. De très très près.
Ah, je suis fait. Ah, j'y comprends rien, j'ai fait de doigté, là. Vous allez pas me dénoncer, monsieur. Ça dépend. Ayez pitié d'un orphelin, monsieur. Fils d'alcoolique, et jeté à la rue à l'âge de 13 ans. Mais je te demande pas ton pédigré, puis garde ça. Non. Bon, à faire les poches, tu n'arriveras à rien. Oh, ça, c'est vrai, je serai jamais qu'un artisan. J'ai un coup fameux à te proposer. Non. Confrère? Tu y es. Pierrot le Bigleur. Oh, Gilbert Poignevelot. Enchanté, mon cher. Alors? Demain, pendant que tout le monde dans ça, il y a un type à nettoyer dans les premières de luxe. Le marquis de la Beauce. Il a des millions dans une serviette de cuir. Mais où est sa cabine? Là, je te ferai un plan, puis je te donnerai la clé. Oh non, tu permets, hein. Ça me connaît. Mais s'il arrive pendant le travail? Mais tu feras le coup à minuit. Moi, je le quitterai pas d'une semelle. C'est mon boulot. Je... Alors d'accord, part à deux. Ben, ça sera toujours ça de moi. Hein. Hmm? Non, rien. Alors, faut pas faire attention. Oh, pardon. Mais c'est monsieur Dupont. Oh non, mon vieux, non, je suis plus toi. Vous avez déjà fait trois fois. Dis donc, t'as des visites, moi je me tends à rien. Alors, demain, ici, après minuit. Et puis on fera. C'est quoi? Bon. Oui, on partagera. Ah oui, ben, si tu y tiens. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce coin perdu? Hein? Il y a des pommes qui flottent sur la mer. On devrait les donner à Castrito. Ce sont les pommes des bateaux qui ont fait naufrage. Elles échoueront sur une plage. Un petit garçon les ramassera, les fera cuire dans un four, en s'imaginant qu'il est Robinson Crusoe, comme moi quand j'étais petit. Mais ça va très mal. Qui? Toi. Moi? Je me suis jamais senti plus soulagé, plus libre. Mais sais-tu qui est Castrito? C'est un mangeur de pommes. Un flic. Ouais, un flic qui mange des pommes. Un flic qui te cherche. Enfin, qui cherche Dupont. Dupont? Je connais pas. Oh, tu vas pas me refaire le coup du marquis, pas à moi. Ni marquis, ni Dupont. Pierrot le Bigleur. Mais qu'est-ce que tu as bu ce soir? Écoute, mon vieux, il faut absolument tirer de là. Mais je m'en suis déjà tiré à 50%. Oui, mais ben pour les 50% qui restent, j'ai une idée. Encore? Oui, mais celle-là, elle est infaillible. Qu'est-ce que je vous dois? Non, non, monsieur, non, c'est offert par le marquis de la Gauche. Ah, messieurs, de la part du marquis de la Beauce. Tu crois? On a fait le plus riche passager du bateau. Hey, monsieur Dupont! Ah, monsieur Dupont! 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 Alors, ben, champagne, 300 bouteilles, foie gras à la 50 boîtes, caviar 30 kilos, 50 poulets, 10 jambons, gâteaux, liqueurs, etc., etc. Ça fait combien, ça? 450 000 francs. Seulement? Mais j'oubliais service, 10%. Pour 300 passagers, on peut faire mieux. Oui, mais je veux que tout le monde en profite. Alors, faites distribuer du champagne, du caviar aux deuxième, troisième classe, aux émigrants, enfin, à tout l'équipage. Mais ça va vous coûter une fortune. Mais, je l'espère bien. Monsieur Dupont. Non, je m'appelle Durand. Ah, je brûle. Mais personne. Vous avez l'air affairé du monsieur qui attend le président de la République à une exposition. J'attends mieux que ça. Mademoiselle Peggy. Non, je vous en prie, pas de rosserie sur elle. Oh, mais je la trouve très gentille, charmante. Du moins pour le présent. Elle sera grosse plus tard, je vous préviens. Voilà, voyez, ça n'a pas raté. Non, parlons d'autre chose. De vous, par exemple. Oh, moi, je suis très embêtée. Ah, ennui d'argent, vous savez que je suis à votre entière disposition, pour ça. Non, mais demain, à l'escale, ça va être la cohue des reporters, des interviews à donner. Moi qui aime tant mon faux, qui suis si discrète. Je serais désolé de vous désobliger, mais on parlera peut-être plus de moi que de vous à Port Saïd. Dans les journaux? Ben, il faudrait que je vous souffle la vedette, oui. Ah, à propos de cette fête. Ben, ça... C'est réussi, d'ailleurs. Et puis autre chose aussi. Mais c'est une surprise. Le bouquet final. Oui. Oh, bravo, on aurait cette fête très réussie. Oh, elle a été organisée avec les moyens du bord. Oh, j'adore les choses improvisées. Ainsi, quand j'écris de verre. Eh bien, j'écris comme ça sans réfléchir. Je vous explique. Oh, l'inspiration. Et la muse se prend sur votre épaule et toc. Hein? Oh non, c'est pas une muse qui souffle à mon oreille des mots évocateurs. Mais c'est un homme charmant, délicat, pervers, qui murmure des mots que j'écoute l'âme chagrée, le cœur battant. Et ses vers lui disent, je serai à toi toute quand tu voudras. Vous avez l'air d'une princesse de conte de fées, Peggy. Vous attendez plus. C'est pour vous que j'ai donné cette fête, vous savez. Moi? Monsieur le Marquis, le commandant voudrait vous parler en particulier. Moi? Oui, monsieur le Marquis. Je vais, excusez-moi.
C'était bien. Monsieur Davos, j'ai une nouvelle très grave et très urgente à vous annoncer. Allez, allez, allez vite, qu'on en finisse. Mais que tout se passe discrètement. Je vous demande une seule chose, cachez la vérité à Peggy. Je ne vois pas le rapport avec la mort de l'émigrant. Hein? Mais oui, cet homme vient de mourir d'indigestion. Ça devait arriver, il n'arrêtait pas de manger. Au moment de passer, il a dicté au commissaire ses dernières volontés. J'ai l'honneur de vous informer que vous êtes son légataire universel. Oui, il me rend tout? À un centime près, il n'avait rien dépensé. Enfin, il est fixe de vieillard, il a tenu à ce que nous portions dans votre appartement sa vieille houppelande. Sa vieille houppelande? Oui, touchant, n'est-ce pas? Ah, touchant, en effet, 15 000 dollars, c'est bien ma veine, ça. Comment? Il y a 15 000 dollars cousus dans la doublure. Vous héritez d'un million? Oui, vous trouvez ça drôle? Monsieur le marquis, vos ordres ont été exécutés. On a servi à boire à tout l'équipage. C'est qu'il vient de m'arriver un coup dur, vous savez. Vous êtes ruiné? Non, non, je viens de faire un héritage. Décidément, vous ne réagissez comme personne. J'ai beau sourire, voyons. Vous avez raison, petit chaperon rouge. Je vous ai dans mes bras. Ne pensons qu'à l'heure présente. Dupont, c'est moi. Non, c'est pas moi. Mais je le retrouverai. Mais, au fait, mademoiselle, comment vous appelez-vous? Mademoiselle Dupont. Hein? Comment vous... Des 10 millions et moi qui suis en train de dépenser... Les... Arrêtez! Arrêtez la musique! Arrêtez la fête, c'est fini! Non, plus de champagne, je vais rapporter des bouteilles. Allez, c'est bien, assez mangé, là. Vous n'êtes pas honte de fumer comme ça, vous piquez assiette, là. Éteignez les lumières! Ne servez plus rien, allez tous vous coucher. Allez, parti. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Minuit. Tu m'as fait faire. Donne-moi cette serviette. Pourquoi, c'est pas la bonne? Tu l'as dit, sauve-toi, le marquis arrive. Mais t'es pas un peu marteau, il y a plus de 10 millions là-dedans. Justement, donne-moi ça, sauve-toi, je te dis. Mais t'aurais pas envie de me doubler, toi, des fois, par à deux, on a dit. J'ai changé d'avis. Changé d'avis, alors moi, j'aurais travaillé pour la poule, on mettait pas un peu d'homme. Non, allez, donne-moi ça, mon vieux, donne-moi ça. Ah, merde, pas, je regarde tout. Laisse ça ou j'appelle la police? La police. Je suis pas Pierrot le Bigleur, je suis le marquis. Ouais, ben moi, je suis Louis XIV, moi. Je te vacille un bourre-pu. Laisse-moi, ça. Ça doit.
cigarette. Oh, la serviette. Ouais. Hein? Mais... Voulez-vous que tu fasses une minute, s'il vous plaît? Comment? Allez, je vais lancer là. Allez. Il va. Revenez à vous. Il faut qu'il batte pour moi, vous entendez, monsieur de la Beauce? Oui, je ne suis pas monsieur de la Beauce. Je ne suis pas marquis. Je suis Robert Dupont, un pauvre type embarqué sur ce bateau à la place d'un autre. C'est moi qui avais des millions volés à votre banque. Vous êtes un voleur? Même pas. Une espèce d'hurluberlu qui croyait au Père Noël. Et où sont les millions? Noyés. Comment vous avez-vous introduit chez le marquis de la Beauce? Mais c'est Pierrot. C'est Pierrot le Bigler qui m'a indiqué le coup que je vous dis. Vous mentez, je n'ai pas son assurance mon gis, pas plus que celui de Gilbert Poc de Blue. Où est votre billet? Mais je l'ai... J'ai perdu. Je vous l'avais bien dit, monsieur le commissaire, c'est un passager clandestin. Donc, vous êtes Dupont. Ah, il y tient. Vous avouez donc Dupont au lieu de venir plus longtemps. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire que je sois Dupont? C'est parce que si vous êtes Dupont, moi je touche 100 000 francs de prime. Oh, alors par à deux, hein, ah. Tu dis que c'est moi. Peu importe son identité, je vais faire mettre au fer jusqu'à l'estin. Ah, non, pardon, monsieur le commissaire, si c'est Dupont. Qu'est-ce que c'est? C'est Dupont. Oh, c'est un farceur. On ne peut pas être tranquille 5 minutes, non? Qu'est-ce que c'est? Je suis Dupont. Oh, monsieur le marquis, on n'est pas là pour plaisanter. Quel idiot. Vous avouez que ce monsieur est un peu toc-toc. Il passe la plus folle prodigalité à la vadiche la plus sordide. Maman, j'attendais vos millions. Moi? Oui, enfin, je sais où ils sont, c'est Dupont qui les avait. Qui est ce monsieur Dupont? Le marquis de la Beauce. Hein? Mais non, pas du tout, madame. Et si c'est lui qui me l'a dit? Lui? Ah, mais oui, quand il est revenu à lui. Il s'est trouvé mal? Mais non, c'est Gilbert Poc de Blue qui l'a assommé. Robert assommé? Ma petite fille, tu deviens complètement folle. Oh, Gilbert Poc de Blue. Mais maman, venez, je vous expliquerai. Gilbert Poc de Blue est un voleur. Le marquis de la Beauce n'existe pas et Dupont avait les millions dans une certaine. C'est lui qui a dévalisé mon banque, ça m'étonne pas. Mais non, il ne savait pas que cet argent vous appartenait, sans quoi il n'aurait pas dépensé. C'est en fait mon agent qui faisait ses prodigalités. Oui, mais dès qu'il a su, il a arrêté tous les frais. Ah, oh, il était bien sûr, mais que vais-je le trouver? Rassurez-vous, il y a du tout. Oh, il a tout dépensé. Non, mais ce qui est resté, il l'a jeté en l'air. Oh, alors, courage, maman, vous êtes assurée. Le expirant, alors venez, maman, petite fille, il a perdu tout son sens moral. But I don't want to go, but what? Tenez, monsieur le commissaire, permettez, je me présente. Je suis Hippolyte Castrito, pilature et renseignement, 125 rue Saint-Ferréol, Marseille. Le jour du départ du Neptuna, un nommé Robert Dupont a quitté précipitamment le cercle pour s'embarquer en laissant sur le numéro 6 de fois 3 un jeton de 1000 francs. Or, le numéro 6 de fois 3 est sorti 7 fois 4 et 3 de suite. La banque a même sauté. Je cherchais le nommé Robert Dupont pour lui remettre un chèque de 10 millions. Mais c'est magnifique, maman, ce sont vos 10 millions. Non, mais chez moi, Dupont. Assez. Et il revient un million au marquis de la part de l'immigrant. Mais bravo, c'est pour Dupont. Mais puisque je vous dis que chez moi, Dupont. Oh, assez. J'espère, maman, que vous allez attirer votre plein. Mais... Ah, monsieur le commissaire, je peux vous donner ma parole d'officier que monsieur Robert Dupont et le marquis de la Beauce ne font qu'une seule et même personne. Mais comment le savez-vous? Dites que la fête recommence. Lieutenant, prenez un télégramme. Banque Bloxeller, Paris. La potage a rendu la parapluie de la grand-père. Stop. Deux fois. Alors, on va faire tremper. Ne faites pas cela, nuit froide. Il y a de grandes plantes méchantes au fond de la mer. Et les poissons ne sont pas tous des petits cygnes. Il y a des requins, des marsouins, des poissons-ci. Pourquoi voulez-vous mourir? À cause des 10 millions? Venez, les voici. Maman a été remboursée, je vous expliquerai. Elle a retiré sa plainte, elle a même dit pauvre Dupont. C'est beaucoup pour elle. Elle n'a jamais dit cela à personne. Vous lui êtes plus sympathique qu'un Dupont qu'un marquis. Le marquis de la Beauce est mort. Ni fleurs, ni couronne. Ah, si. Des fleurs. Et une couronne.